Monsieur Jeff. Oui, patron. Je remarque que le travail évolue normalement. Vous comptez débuter le haut à quel moment? Le haut là, on débute le haut dès que vous déposez les 500 millions là. Le haut là-bas. Mais j'ai déposé les 500 millions là, vous comptez de l'entreprise. Oui, vous l'avez déposé, mais c'était dans notre compte. Oui, c'est dans notre compte. Et pour maintenant que. Parce que je te dis que dès que tu finis, c'est à dire que ma belle-mère est vide, elle vit dans un trou. Il faut que tu partes de me construire une duplex là-bas, à peu près comme ma maison, tu vois. Oui, oui, monsieur. Non, je veux que vous. Tu me. Donc. Ça va, c'est bon, monsieur, ça va aller. J'ai décidé d'offrir un pont dans mon village. Ça parce que. Tu gères les ponts? Je gère les ponts. Ça, voilà, c'est mon travail. Ok. Je fais les bâtiments comme ça parce que mon travail, c'est les ponts là. J'aime bien aussi le staff que tu as en train de vouloir mettre là. Tu as fait tes études en Europe? Ah, je me suis débrouillé au Cameroun, à notre niveau. Mais sauf que tu as un t-shirt politique, j'aime pas trop la politique. Ça va aller, patron, ça va aller. Mais si vous voyez que le chantier, ça marche, non, monsieur? Oui, non, c'est bien, vous faites un très beau travail. Je veux que tu me sortes des portes en allure. Si tu peux mettre le zinc avec un peu de manganèse, parce que les bandits commencent à y avoir trop de palais dans les quartiers voisins. Donc il faut mettre des portes très solides. Est-ce que j'ai compris? Bien sûr, monsieur. J'apprécie beaucoup le travail que tu fais. Vraiment, ça me fait. C'est même sur les peines, c'est ça qu'on doit mettre. Ah, oui, c'est ça. Oh, oui, pas que là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est très grave. Tu vas mettre ta couture, comment tu es sale? Tu es quelle personne de policier? C'est vous qui teignez l'image de la police. T'as même dit quoi? Je vais appeler Baraguele, on va me remplacer. On m'a même dit qu'il y a un policier qu'on appelle, il voulait te remplacer. Tu peux pas être sale à ce policier. C'est quoi ça? Moi, la tenue, c'est déchiré partout. Il n'est plus la détention depuis quelques mois. Que tu renouvelles tes nuits bientôt. C'est quoi le souci? C'est grave, par contre. C'est très grave, la rumeur que j'ai laissée dehors, par contre. Attends. Tu veux me dire que mes bateaux ont coulé? Non, c'est pas ça, par contre. Tu veux me dire que mon gestionnaire est devenu fou? C'est pas ça, par contre. Tu n'as même pas le nouveau membre de ma famille, donc je n'ai pas de problème de famille. C'est quoi le souci? Laisse-moi un peu t'expliquer, par contre. C'est très grave. Et qu'est-ce que vous tient à cœur à présent? Tu sais bien que tu marches avec moi de jour comme de nuit. Mon seul problème à l'heure actuelle, c'est Caro. C'est la base, par contre. C'est très grave ce que je dis. Qu'est-ce que ma femme a fait? J'ai laissé ma femme coucher à la maison. Qu'est-ce qui arrive à ma femme? Tu as vu son ex là? Son ex. Il a en train de raconter partout que tu lui as donné 5 500 000 pour la dette. Mais dès que l'argent a fini, il va te faire le chantage constamment, par contre. C'est grave. Il faut qu'on trouve une solution, par contre. Tu me sais à quoi? La sécurité, par contre. Et tu ne l'as pas tapé correctement? Il n'était pas seul, par contre. Et ton âme était ça à quoi? Ton âme était ça à quoi? J'ai compris, par contre. Va devant. Et tu m'appelles, c'est le carolo, mon fils. Et tu m'amènes où il est. Je vais taper ces garçons de mon nom moi-même. Va devant. Monsieur, vous vous restez pour l'évolution des travaux. Oui, c'est la pollution. J'ai vu vos gens arriver en retard là. C'est cet homme qui vous fait manger. C'est ça. D'accord, il n'y a pas de souci. On ne peut pas travailler dans ce style de climat. Tu comprends? Ça va, papa. La voiture que j'ai fait, c'est un bon temps. Ça fait quoi? Et même si elle est sale. C'est quoi ce comportement? Par contre, je sais. Mais. Moi, je t'ai pas de banque. C'est un examen. Je n'aime pas la sécurité dans le quartier ici, par contre. Non, je ne sais pas le problème. Même dans le Cameroun. Tu as demandé de garder ta moto ici, non? Je te regarde au parc, et le parc, elle a sa vie. Dégage, ça. Vite, c'est moi dans le cou, à Raoult, alors le bar là, c'est où? C'est pas quoi quoi? C'est devant là. Chérie, je t'ai demandé de placer les ongles. Oui, je vais le faire, maman. Eh bien, j'étais donné 500 000 plus les ongles. Tu me dis quoi, chérie? C'est juste que tu sais que je suis pas habituée. Je t'ai demandé dernièrement de ne plus survivre. Tu vis déjà. Oh là là. D'accord, je vais le faire. D'accord, chérie. Allez, en fait, nous sommes devant. Ça, c'est la brousse. C'est la brousse. Merci. Même dans mon village, j'ai googlé toutes les routes de mon village. Je me retrouve avec les marchands, vous pour aller gifler les légumes. Mais chérie, tu sais que ça envoie pas la fin de la frontière. Je te tais, je te suis. Tu te tais. Derrière chaque grand homme, se cache une grande femme. Tu es censé être une très grande dame, d'accord? Moi, je fais trembler les gorgons de ce pays. Est-ce que tu m'as suivi? Oui. Donc, quand je prends mes responsabilités, ma femme appartient moi et moi, celle d'accord? Est-ce que tu m'as suivi? Attends. Tu appartiens à qui? À toi. À moi et moi, tu appartiens à qui? À toi et toi. D'accord, allons-y. Toi, il était hâti, hein? Il était hâti. Tu es toujours en train de marcher dans le quartier, tu cherches mon quartier. C'est pour ça que tu ne vas pas prendre les galons en janvier.
Tu ne prends pas de galon. Tais-toi qui parle. Tu parles, tu parles. Tu parles, tu parles. On est où là? Tu parles, tu parles. Même le dégré ne me parle pas, tu veux me parler. Petit policier. Sans galon. Marche là-bas. Un élégumène parle de moi au carrefour, le nez tapé sur la chute. Tu me parles. Marche là-bas, j'étais venu marcher. Oui, c'est Mambo. Tu me manques le chemin. Tu as parlé de signalisation. Bébé, va cheminer. Aïe, 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 oublie mon épouse derrière. Excuse-moi, maman. Oh, bébé, excuse-moi. C'est pas grave, mon amour. Sois calme. Tu fais ça pour ta sécurité, d'accord? D'accord. Il faut que tu vives. Tu ne dois plus survivre. Comporte-toi bien. Comporte-toi bien. Un policier, c'est quelqu'un de respectueux, d'accord? Tu es là pour veiller à la sécurité des citoyens. Si le délégué à la sécurité doit t'envoyer chez moi, c'est pour ton bien. Est-ce que tu as compris? Je ne te menace pas pour rien. C'est parce que tu sois un grand policier. Dans 2 ans, tu seras commissaire divisionnaire. Pour le moment, tu es quoi? Tu es gardien de la paix, mais dans 2 ans, tu as compris? Tu vas prendre les galons chaque mois. Même s'il faut que tu payes ton grade. Est-ce que tu as compris? Allons-y alors. Et quand les gens veulent faire du mal, sors ton âme, tu es calme la tête. Tu as compris? Tu n'es pas là pour négocier. Tu vas me dire, tu vas vivre comment? J'ai bâti cette maison, regarde mon chantier derrière. Je l'ai bâti avec l'argent qui est gravé à la sueur de mon front. Est-ce que tu as compris? Voilà, mais derrière, tu es un bon garde de corps. Ce soir, tu auras 2 millions parce que tu as fait une inspection très délicate. D'accord. Bébé, quitte la route. Oh là là. Mais tu aurais dit que tu as sauté avec la voiture. C'est pas loin d'eux. Moi, je ne marche pas à pied. Je ne marche pas à pied. Oh là là. Je ne marche pas à pied, chef. C'est où? C'est là devant. D'accord. Mais les gens construisent un peu, les gens se battent. Hein? Bro, comment quelqu'un peut qu'un Itcha Tanga, il te donne 5 millions, alors qu'on connaît ici au quartier que c'est toi et l'icro retour. Au lieu de prendre les dos et prendre Tanga. Gars, c'est pas bon. Ah, cette histoire-là, je comprends pas, gars. Tu dis qu'on a pris la go. Du grand. Du grand. Mais l'histoire-là est vraie ou bien c'est la bonne. Avec tout le charisme là. Non, c'est faux, gars. Ouais. Et le gars a donné combien? 5 bâtons. 5 bâtons? Et il a fait comment? Il a pris la boue. Il a pris les dos. Il a géré le way du grand, le bon grand. Tu m'attendais. Gars, qu'est-ce que tu racontes comme ça, Watibi? Je ne crois pas à ton histoire. Mais l'eau, voilà, avec, alors qu'il a le go, la machette, comme je vois là. Nous, on sait qu'ici, au quartier, c'est la force, c'est lui. Mais moi, je Wanda. Il a tiré les 5 bâtons. Il a tiré les 5 bâtons. Mais pourquoi faire du mal au gars, mon frère? 5 bâtons, j'ai refait ma vie, man. Il y a quoi? 5 bâtons, je ne vais pas tuer quelqu'un pour Gongas. Quoi? Non, man, 5 bâtons, j'ai fait ma vie avec tous les gars qui arrivent. Comme le type si, il y a un mot, ça go, le big si. Mais. Non, gars, moi, j'ai fait ma vie, man. Il ne peut pas y avoir ça. Il y a quoi? 5 bâtons, mon frère, avec tous les gars qui arrivent. Va, tu vas y aller, go. Va ici, là, écoute, tu vas voir les gars, man. Ouais, il y a les gars, mais il y a go et go, man. Le go du grand frère, c'est la high de go, man. C'est pour ça qu'il fait comprendre, gars, grand frère. Tu as la machette, on a le gun. On part, on kill le boy. Non, c'est un mauvais conseil que tu donnes. Tu récupères ta go. C'est un mauvais conseil que tu donnes, grand frère, si Watibi. Moi, je pense que la meilleure solution à leur cigare, c'est de prendre les 5 bâtons. Y'a les go. Y'a les go. Grand frère, ne suis pas c'est ça. C'est l'acte qui veut commettre là. C'est toi, le retour. C'est Longas. Longas, c'est rien du tout. C'est toi, le retour. Ici ou quoi, c'est toi qui gère. En tout cas, moi, je vois le grand frère. Je vois le grand. Voici le grand frère. Je veux voir sa réaction. Grand frère, toi, tu penses quoi? Pense quoi, grand frère? Moi, je pense qu'il faut qu'on tue le boy. Moi, je pense que les 5 bâtons là, il y a les go. C'est pas pourquoi tu te casses, grand frère. Si tu agis avec la matière de Selongas, toi, tu peux compter sur moi. Si tu veux, on agit quand tu veux. Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne vous ai pas interdit de parler à mon épouse? Hein? Et vous là? Vous? Vous décidez de parler de moi? Vous parlez de moi? Que grand frère, moi je vais pas parler de toi. Tais-toi, tais-toi! Toi!
Tu parles de moi? Tu parles de moi? Bro. Ferme ta bouche. Tu as fait qui bro si tu as commandé grâce? Tu parles, tu parles? On ne répond pas à mon boss. Boss, calme-toi, c'est mon problème. Ne fais plus jamais ça. Et que quand mon pack, c'est mon patron. Bro, c'est ton camarade de classe. Tu parles, tu parles, nous parlons. Ça te va pas? C'est toi qui parlais. C'est toi, le petit fou. Tu parles à qui? Qui tu tiens mon patron? Mais ça c'est quoi ça? Pauvre! Tu as la boucle à l'oreille, non? T'es du beau. Je vais te raser ta barbe, laisse-moi oublier. Je vais te raser cette barbe. T'es du pauvre. Et toi, tu parlais? Non, grand frère, je ne parlais pas. Grand frère, moi je. Tais-toi! Tais-toi! Tais, ça suffit. Ça suffit, grand frère. Je crois que je t'ai averti ici. Approche ici. Approche de ta chaise. Et quand mon frère parle, tu veux. Deux. Trois. Approche encore. Avance. Je ne t'ai pas donné 5 500 000 francs de t'éloigner de mes intérêts personnels. Pourquoi vous voulez mourir? Pourquoi tu me l'as mort, petit? Quand tu parles, tu m'enlèves tes chapeaux. Qu'est-ce que tu as fait? Tu gonfles? Tu gonfles? Je vole, tu gonfles? Je vole, tu gonfles? Hein, tu es malade? Les pauvres, les places, c'est dans les tombes. Est-ce que tu as compris? C'est dans les tombes. Le jour que je te vois encore, je casse les boulots sur la tête. Et vous là, méfiez-vous de moi. Pas suffit. Méfiez-vous de moi. Je te mouille comme ça là. Tu dis que tu as la machette. Prends la machette. Prends. Prends cette machette. Prends cette machette. Coupe ma tête. Je vous avertis. Je vous avertis. Et Caro, ce qu'il est là. Je vous avertis. Je te revois dans mes 5 mètres 50. Je te tue. Je te fais quoi? Je te fais quoi? Je te tue. N'importe quoi. On laisse, ou bien on jette. Le grand frère, il est venu avec la police. Tu n'as pas vu, tu vois mon gaz? La police, c'est quoi? Bro, on fait comment on gère, on laisse. Que vous êtes fort, je vais te nuire. Tu fais quoi là? Dégage là-bas. N'est-ce pas tu as la robe de soirée en journée? À quel moment tu peux porter ça? Tu pouvais? Tu es le pauvre. Dégage là-bas. C'est à cause de vous. C'est à cause. Oh, oh, c'est ça là. C'est à cause de vous. Comment va dans ce quartier? C'est la dernière fois. Est-ce que tu vis? C'est la dernière fois. Allez, allons-y. Je marche à pied. Va devant. Finalement, il veut mettre ta sécurité. Les gars. Prenez. Non, prenez seulement une bière. Donne-nous encore une bière là.